مرحبا بكم أصدقائي في قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية باللغة العربية. اليوم قصتنا هي الحطاب والثعبان. Le pigeon et le serpent. Le pigeon, الحطاب, et le serpent, والثعبان. Un jour d'hiver, alors que le pigeon flâne en retournant de son travail à la maison, il a vu quelque chose de noir qui est couché sur la neige. Quand il est approché, il a trouvé qu'il était un serpent en apparence mort. Mais il l'a pris et mis dans son sang pour le réchauffer. Puis il est allé à la maison. Quand il est arrivé à la maison, il a mis le serpent devant le feu. Les enfants ont regardé pendant son retour à la vie, puis l'un d'eux se pencha pour le cajoler avec sa main. Mais le serpent leva la tête et chassa ses tentacules. Il était en train de piquer l'enfant. Ainsi, le pigeon saisit sa hache et d'un seul coup, coupait le serpent en deux, en disant « Pas de reconnaissance du méchant. » أصدقائي انتهت قصتنا لليوم وإلى اللقاء مع قصة جديدة.